je pense que je suis très énergique. Genre, il n'y a pas beaucoup de temps mort dans mon spectacle. Il y en a quelques-uns, mais ils sont calculés et ils ne durent pas longtemps. J'aime ça en faire embarquer la foule avec moi. Il n'y a pas de mur entre moi et le monde. T'sais. J'aime ça vraiment qu'ils soient dans le show. Puis je les pousse à bouger, à crier, à venir sur stage. J'aime ça partager avec le monde. C'est vraiment le fun. J'aime ça tenter le pouls. Quand je vois un spectacle et je vois les gens chanter mes paroles, c'est toujours un peu surréel. Là, fait que sur scène, je pense que en toute humilité, je pense que je suis assez généreux avec le monde. J'aime ça leur en donner beaucoup. Puis me le rendre pas mal tout le temps. Fait que c'est fun. Il n'y a pas vraiment de signification plus profonde que genre quand j'avais 14-15 ans, puis je me cherchais un surnom avec mes amis, puis j'ai trouvé ça par hasard. Mais c'est même pas moi, c'est un de mes amis qui l'a trouvé, un adjectif qualificatif. On se trouvait tous des noms qui commençaient par K. C'est très original. Puis, le nom il est resté là, tu sais. J'ai comme gardé ce nom-là. Quand j'ai commencé à diffuser des chansons sur Internet, à faire du battle rap, tout le nom il est resté. Puis, j'ai comme trouvé après ça d'autres surnoms qui ressemblent à Coriace, comme Corey Hart. C'est comme un autre de mes surnoms. Puis le chanteur des années 80, mais c'est ça. Fait que j'ai essayé de niaiser avec ça aussi, ce nom-là. C'est ça. Mais je pense qu'il. Le nom, il fit bien que moi. Puis il est catchy. Fait que j'ai gardé. C'est ça. J'avais peut-être 14-15 ans quand j'ai commencé, puis c'est parce que j'écoutais beaucoup de rap avec mes amis. Puis j'avais certains de mes amis qui ont commencé à écrire du rap, puis ils m'ont quand même demandé d'essayer de le faire aussi. Essayons donc d'écrire des textes avec nous autres, puis j'ai vraiment pris goût à ça. J'ai commencé à en faire, puis c'était un peu. C'est pas très bon au début, mais j'avais quand même. Je pense que j'avais un potentiel, mettons. Puis c'est devenu quelque chose qui est devenu une passion par la suite. T'sais. J'ai commencé à écouter beaucoup de rap et à essayer d'étudier les rappeurs que j'aimais. Puis essayer de voir qu'est-ce qui faisait qu'eux autres étaient bons, puis essayer de copier ça un peu dans ce que moi je faisais, tu sais, dans la technique d'écriture et tout ça. Puis c'est ça, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, puis de fil en aiguille, après ça, j'ai appris à faire des beats moi-même. Et, c'est dur à dire, c'est surtout des chansons desquelles je suis fier, tu sais, mais je dirais que l'album, mettons, qui m'a rendu le plus fier quand je l'ai fait, c'est l'album Love Supreme, à cause du travail que j'ai mis sur cet album-là. J'ai eu une approche qui était vraiment différente de tout ce que j'avais fait avant. C'est-à-dire que je suis allé travailler avec un réalisateur qui ne travaille pas avec du rap habituellement. Je suis allé travailler avec Philippe Bro. C'est quelqu'un qui m'intimidait beaucoup parce que c'est un réalisateur d'autres albums de rock, de folk et tout ça. C'est un gars qui est super influent, talentueux. Fait que cet album-là, il a eu un succès quand même assez considérable aussi. C'est un album qui est très solide du début à la fin au niveau sonore. C'est vraiment ce que je voulais comme résultat. Un album qui frappe pas mal. Fait que. Je dirais que c'est cet album-là qui me rend le plus fier, mais sinon, tu sais, sur tous mes albums, j'ai beaucoup de chansons qui ressortent et qui me rendent fier, puis que je refais encore en spectacle. Puis, c'est ça. Chaque album, j'ai des coups de cœur, mettons, des trucs que j'ai fait. Grosse manœuvre pour aller promouvoir le solo album, même si les barrières de langue font que je vais jamais blow a platinum. Jamais rentrer dans une benne sauf au dealership. Aux danseuses à chaque semaine sur mon dealership. Corey le mythe, vierge en chute libre d'un édifice. Degenerate, mon bitterness, je suis rendu sick of it. Mon alcoolisme puis mes études sont toujours on and off. 40% mon alcool, c'est comme une note d'école. Yo, vas-y, pop des plans. Ça part, ça vient, l'inspiration, mais c'est toujours là en moi. Faut que j'essaie toujours d'aller puiser dans ce qui m'a toujours inspiré depuis le début, c'est-à-dire de pas essayer de penser justement à est-ce qu'il faut que j'égale mon album précédent, est-ce qu'il faut, t'sais, faut pas que je pense à ça, puis j'essaie juste encore de faire des chansons pour le plaisir, comme je l'ai toujours fait, tu sais. Puis, tu sais, l'inspiration est toujours là, l'inspiration est partout, faut juste que tu la cherches, faut que tu motives ton inspiration aussi, faut que tu la stimules. Moi, je fais ça beaucoup en écoutant de la musique, j'écoute plein de musique, j'écoute beaucoup de rap. Ça, c'est l'affaire qui m'a toujours inspiré de plus, écouter de la musique. T'sais. Je pense que pour être un bon musicien, il faut avoir les oreilles ouvertes et écouter plein d'affaires. Ça, c'est inspirant. Des fois, j'entends une tune, je suis comme « wow, c'est bon ». Ça me donne envie d'aller surpasser et de faire quelque chose d'aussi bon que ça. T'sais. Puis travailler avec des plus jeunes aussi, comme je collabore avec Fouki et compagnie, ce temps-ci, je trouve ça le fun aussi. Les jeunes qui eux autres, ils ont faim, ils arrivent, là, ils commencent, puis tu sais... Ils ont un peu tout à gagner, tout à découvrir. Fait que travailler avec eux autres, c'est super stimulant, justement, parce qu'ils ont cette faim-là que moi j'avais dans mes débuts, que moi j'ai peut-être un peu moins maintenant. T'sais.
Ben, c'est une popularité grandissante du rap québécois. Il y a une ouverture justement dans les radios qui est le fun aussi, qui va de soi parce que les albums sont bons aussi. La musique se prête bien à passer à la radio. Il y a une approche un peu plus pop, un peu plus commerciale au rap québécois, même si ça reste du rap. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'ouverture un peu partout. Là. Je pense que les gens commencent à saisir que le public est là, la demande est là, la qualité est là. Faut que ça aille de soi. Puis, tu sais, la créativité, c'est la même affaire. T'sais, les albums qui sortent sont vraiment débiles. Tous les albums, tous les artistes comme Fouki, Loud, À la Claire, etc. T'sais, il y a beaucoup de rappeurs qui sortent qui sont très inspirants puis qui nous poussent. T'sais, quand t'entends un album qui sort, t'es comme, man, ok, c'est vraiment bon. T'as pas le choix de sortir la coche après. T'sais. Fait que cette compétition-là peut être saine aussi pour le fait de se surpasser. Je suis en train de travailler bien les chansons de mon côté, autant solo qu'avec des collabos. Fait que il y a des projets, j'ai déjà des projets qui sont en branle, il n'y a rien que je peux vraiment révéler pour le moment. Sauf que c'est ça. Très bientôt, il y a d'autres affaires qui s'en viennent. J'ai bien hâte de sortir ça.